Les Chypriotes élisent un nouveau président aujourd'hui. 545 000 inscrits sont appelés aux urnes. Pour la première fois depuis l'invasion turque du nord de l'île en 1974, la question de la réunification est passée au second plan, derrière la crise économique. Grand favori du scrutin, le leader de l'opposition de droite, Nikos Anastasiades, pourrait l'emporter dès le premier tour. Il devance en effet de 15 à 20 points son principal rival, l'ancien ministre de la Santé Stavros Malas, un indépendant soutenu par les communistes. Enfin, le troisième grand candidat, le socialiste Yorgos Lilikas, se distingue par son opposition catégorique à un prêt international. Les négociations avec le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la BCE pour l'octroi d'une aide de 17 milliards d'euros piétinent depuis 8 mois. Le président communiste Christofias, qui ne se représente pas, a cédé sur l'austérité, mais a résisté aux demandes de privatisation.